Il dit que vraiment, s'il comptait que sur toi, là, c'est qu'il ne faisait pas ma chose. Comptez pas sur des gens pour vos choses. Quand tu veux faire ta chose, tu fais. À bon entendeur, tu vas développer la ligne dépendance. L'indépendance mentale et spirituelle nécessaire pour votre vie. Les gens te suivent, ils veulent que tu meurs pour eux. Ils veulent que tu meurs pour eux. Tu laisses tout ce que tu fais pour eux. Tu laisses, tu meurs, tu sais ce que tu vois. Ils vont pas venir à ton enterrement. Quand je suis rentrée ce soir, passé toute la journée à bosser. Bonsoir, la reine Sylvie. Le Seigneur a commencé à m'enseigner sur l'importance pour vous de conserver vos routines. Donc c'est de ça que je vais parler ce soir. Dès l'instant où tu nais, tu touches cette terre. Dès que tu prends ton premier souffle, on te fouette d'abord. Ta-ta-ta-ta! Tu veux nia! Qu'est-ce que c'est ça? Dès cet instant, c'est comme s'il y a une force qui veut t'appauvrir. Qui veut te ralentir, que tu n'accomplisses pas ta mission. Il y a une force qui ne veut pas. Le yin et le yang. Au départ, tu ne t'en rends pas compte. Tu vis. Et là, tu tombes dans ta famille. Une famille abîmée. Ton père n'est presque pas là. Ta mère a ses blessures. Et tu commences à absorber le dysfonctionnement de cet environnement. En comptant que tu es venu avec un bagage. Tu es venu avec un bagage d'abord toi-même.
tu portes pour tes parents, tu mets sur toi. Ta grand-mère, ta tante. C'est comme si les premières années de ta vie, tu te bloques encore plus. C'est rare de voir surtout des personnes de couleur qui ont passé l'enfance à guérir. Surtout de l'ère dans laquelle nous on est. La première partie de notre vie, on subit. On augmente le traumatisme sur le traumatisme. Bonsoir, Reine des Eaux. Et c'est lourd. On a peur d'avoir mal. On a peur qu'on ne nous aime pas. On cherche qui aimer. On abandonne tout ce qu'on a. Parce qu'on porte un traumatisme qui date de 4-5 générations. Certains parmi vous, vous manifestez des douleurs qui ne sont pas les vôtres. Quand ta mère est née, à la naissance de ta mère, tu étais déjà dans son ventre. Quand ta mère avait un mois, en fait, quand elle a poussé son premier cri, tu étais déjà dans son ventre. On passe toute notre vie avec nos enfants dans le ventre, ceux qu'on accouche ou qu'on n'accouche pas. Donc, toutes les douleurs de ta mère, tu les as portées. Toutes les douleurs de ta grand-mère. Et soudainement, un jour, TikTok apparaît. Tu vois une femme qui te dit que tu peux. Oui, tu vis à Bouddha. Oui, tu vis à Yamoussoukro. Ah. Si tu es à Ouaga, non, tu peux devenir riche. Tu dis, mais je sors de 3 mariages qui n'ont pas marché. On est venu toquer à notre porte 3 fois, la porte s'est cassée. Tu me sens fatigué. Ne veux même pas mettre tes bêtises là sur moi. Tu me sens quoi? Je suis le caca, ça c'est même qui ça. Tu te bloques d'abord. Il vous sent fatigué. Bon, quitte ta fatigue là. I don't need you. You don't need me. Bye. Il vous sent fatigué. Et là, tu te dis, oh là, c'est possible. Un jour, tu commences à croire que j'ai des dons. Comme par hasard, tu prends le sel. Après m'avoir écouté pendant 6 mois parler de sel. Essayons aussi les trucs de la femme là. Tu mets dans l'eau. Je bloque en désordre ce soir. Venez me tenter. Je vous bloque. Tu viens à mon direct, tu t'assois, tu m'écoutes. Tu ne veux pas m'écouter, tu pars. Anna, où c'est Anna? Anna, la Mexicaine, est en direct. Elle était dans son direct tout à l'heure. Il faut aller là-bas, te connecter. Tu insultes, tu fais des trucs. Venez pas dans mon direct pour me déranger. Quand tu écoutes mon message, tu as 42 ans, 32 ans, 53 ans, 19 ans, 23 ans. Tu regardes, mais je n'ai personne pour m'aider. Tu as 2 enfants, 1 enfant, tu n'arrives pas à concevoir.
toutes les relations que tu as commencées, c'est parce que tu as commencé avec la peur. Est-ce qu'il va m'abandonner comme mon père m'a abandonné? Est-ce que je peux lui faire confiance? Mais au fond de toi, tu sais, il me fera du mal. Marie désirée, n'essaye pas, ne te lave pas avec le sel. Tu as compris? Regarde-moi quand même pendant 4 ans. Ne te lave pas avec le sel. Si tu me fais une faveur en te lavant avec le sel, ne fais pas. Tu regardes tes enfants, tu te dis, waouh, je suis bloqué dans les maisons sociales. HLM. Je ne peux pas, j'ai trop duré en Europe pour entrer en Afrique. C'est vrai que tous les 2 ans, je cotise de l'argent, je pars, je frime devant les gens. Mais en fait, je n'ai rien. Un soir, tu te dis, essayons le bain de sel. Ça commence à bouger des choses en toi. Ça enlève des mauvaises énergies. Une fois sur deux maintenant, tu te sens positif. Alors qu'avant, une fois par an ou une fois tous les 6 mois, tu étais de bonne humeur. Maintenant, c'est 3 jours la semaine, ça va. Et puis un jour, tout revient. Tu as les attaques mentales. Tu crois même que tu es qui? Regarde. Qui t'a dit qu'on écrit quelque chose sur le papier, on lit. On lit, on parle au sel, on parle à l'eau. Après, on se lave avec. Qui t'a dit que ça change la vie des gens? Tout ce qu'elle dit là, c'est rien. Regarde, tu as fait ça depuis 3 semaines. Est-ce que ta vie a changé? Un jour, tu traverses la nuit noire de l'âme. Tu sens la dépression qui tombe sur toi. Tu es de mauvaise humeur. Tu vas de mauvaise nouvelle en mauvaise nouvelle. Le soir, c'est comme si on t'a attaché. Tu dors sur la chaise. Tu te laves pas au sel. Cette nuit-là, tu fais des cauchemars. Tu te réveilles à 2h30. Tu vas te coucher dans la chambre. Tu continues ton cauchemar. Le matin, tu te sens abandonné, dépressif. La vie, si c'est moi, quoi. Néanmoins, tu te lèves, tu peux payer les factures. Tu te désabonnes. Il a les agères. Pas comme les mignonnes comme ça. C'est sûr que tout marche toujours bien dans sa vie. C'est sûr qu'elle a toujours confiance en elle. Hein? Regardez, elle se lève. Regardez comment elle rit. Tout va bien dans sa vie, c'est sûr. J'avais réussi à paralyser mon cœur. Parce que je voulais plus avoir mal. J'avais réussi à protéger mon cœur. Moi là,
Un homme, un homme, tu viens, tu me fais, hey, 2 jours, tu es parti, je t'ai oublié. Combien ça a chanté là? Aussitôt que tu es parti, quelqu'un d'autre est venu. Quand je voyais les gens traverser les dépressions, parfois je me disais, mais lève-toi, non? Il suffit de te lever, non? Et pour avoir traîné et souffert pendant presque 10 ans en Europe, sans papier, sans situation stable, j'avais développé un mindset où je n'abandonnais pas. Même si je suis déjà au sous-sol du trou, ça ne me dérangeait pas. Vous savez, c'est quand vous attrapez une vision, ce pourquoi vous allez vivre. L'ennemi va chercher quelque chose dont vous ne pouvez pas facilement vous débarrasser. Il te fait entrer dans un mariage où tu n'es pas heureuse. En entrant, tu savais. Plus les jours avancent, tu sens comme si tu t'éloignes de toi-même. Tu te sépares de toi-même. L'ennemi va utiliser quelque chose parfois c'est le fait que tu n'aies pas de voiture ou pas de papier. Il utilise ça contre toi. Ce que l'ennemi a utilisé contre moi cette année, c'était la perte de mon enfant. Jusqu'à ce que mon enfant meure, je ne savais pas que je l'aimais. Parce que je ne savais pas ce que c'était l'amour. Pour moi, quand je me séparais d'un homme, tu viens, tu pars. Mais lui, il est venu. Quand il est parti, j'essaie de me lever, je dis, voilà. Mais je me connais. D'habitude, je suis debout. Et tout cela, je sens que je suis à terre. Je reste parfois, je pleure au milieu des gens. Je reste au milieu de mes enfants qui sont plus grands. Ses grandes sœurs. Je suis au milieu de mes enfants, on parle, je pleure. Je dis, waouh, ça c'est quoi ça? Parfois, il marche en route. Je ne tiens tellement pas que je m'assois, je pleure.
Pardon? Pardon? Oui? J'ai des amis qui s'inquiètent pour moi. Je vais bien. Salut! Je suis en direct. Ça va? Ah, tu m'as gardé! Oh, t'es trop gentil! S'il te plaît! S'il te plaît, tu peux me commander une salade? Demande-leur de pour la 8, s'il te plaît. Oui, comme hier là. Merci, hein, t'es gentil. Tu es mignon aussi en même temps. Oh my God. Dieu m'a donné trop de gens gentils à côté de moi. Oh Seigneur, this is so nice. Comment faire pour que le père de mes enfants paye leur scolarité? Hey Muriel, tu payes toi-même. Tu. Hey Nathaniel, j'apprécie que ça te dérange. Ok. Il faut aussi me faire le cadeau. Oh my God. Oh, il est gentil. Il m'a gardé une bouteille de, je sais pas quoi. Ah, Dieu réussit toujours à me localiser avec des trucs. Vous pouvez pas savoir. Fait, je crois qu'il voulait me faire une surprise, un truc comme ça. Oh, that's nice. Allez, on va faire rentrer un peu d'air. Nathaniel est jaloux. Nathaniel, tu m'as même fait des cadeaux, c'est quoi? Là là. Thank you. Ce que je suis en train de vous dire est très important parce que l'ennemi aura toujours une chose qu'il va utiliser pour te toucher. Si bien que tu peux être là, tout va bien. Tes affaires marchent bien. Mais tu sens une douleur. C'est comme si ton corps te lâche. Tes émotions te lâchent. TikTok, je ne parlerai que de ce que je veux parler aujourd'hui. Je m'en fous de vos commentaires, vraiment. Je m'excuse même pas. J'allais dire que je m'excuse, mais je m'excuse pas. Talking about what I want. Ok? Il y a une bataille spirituelle que vous êtes en train de mener. Vous ne savez même pas d'où ça sort. Vous êtes jaloux. Vous allez à la somme avant d'envoyer un cadeau. Chiche que vous êtes. Je passe mon temps ici les soirs et vous faites les vidéos. Chiche que vous êtes là. Hein? What did they say? Dans une heure, il y aurait une conversation à l'île. Dans une heure, hein? Que la salade. Avec du pain. Oui, avec du pain, monsieur. Thank you. Thank you so much. Come and give me a kiss, come on. Please. Merci. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? L'ennemi va jouer sur ton esprit. Hey, Nathaniel, c'est quoi? Que no kiss. Oh my God, vous avez fini avec ça, quoi? Hey, on peut être jaloux comme ça. Which kind of jalousie is this? Tant que tu ne deals pas avec ces choses-là, vous voulez pas qu'on me fasse des bisous?
J'allais faire le bisou devant vous. C'est comme un cheval puissant, fort. Mais un homme monte sur lui, il tient seulement la laisse. Et le cheval est à terre. Vous me voyez comme je suis là? Vous me voyez, non? Pour que quelque chose me mette à terre, c'est dur. Souvent, je reste comme ça. C'est comme si on avait lancé la bille sur moi. The cloud of sadness. Donc, comme un manteau de tristesse. Je dis, mais... J'ai fait mon bain de sel, j'ai fait des trucs, j'ai fait ça. Tu vois, tu as coché toutes les cases. Je vais vous montrer le processus mental que vous devez utiliser. Parce que vous êtes dans une bataille. Et l'ennemi, je vous ai envoyé l'argent. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez reçu la somme? Priscille, c'est toi qui es en Suisse. C'est toi qui es en Suisse. Parce qu'il y a une femme de la Suisse qui a envoyé son argent. On lui dit que... Parce que le réseau dérange beaucoup au Cameroun. Et on lui dit que ça dérange. Elle m'a dit que c'était la NAC. J'ai dit qu'à Beg, on n'est pas encore parti retirer. Et même si tu vas te plaindre, ils vont faire le, ils vont reverser le processus, ça va reprendre l'argent. À Beg, take your money. Tu es en France, d'accord. Quoi, c'était toi. Ben, j'ai fait le voice à la famille que pardon, maman, pardon. Appelle au Seigneur, tu prends ton argent. Par exemple, ça, tu dors la nuit, tu parles, tu penses mal de moi. No, I don't want that kind of one. Ok. S'il y a une chose que l'ennemi ne peut pas arrêter, c'est ta pensée. Ça fait 6 mois que tu es fidèle, tu payes ta dîme. Parfois tu payes même la dîme comme ça, tu n'as même pas de quoi manger la semaine là. Souvent tu dis ça, tu me détestes. Quand la femme là en train de manger ma dîme. Tu es sur un champ de bataille spirituelle. Et c'est pas la blague. Quand l'ennemi connaît que je ne peux pas arrêter la percée de cette femme, il va venir pour t'intimider. J'ai fait le témoignage d'une dame hier. Quand son message est arrivé, j'étais en train de manger. J'étais juste ici dans le jardin, je mangeais. Ça m'a tellement énervé. J'ai fait une vidéo, j'ai mis sur TikTok. J'ai parlé, elle me dit que mes ennemis te connaissent. Donc quand tu as fait le témoignage, j'ai regardé son témoignage. Il n'y avait pas de détails. Mais juste le fait que j'ai donné l'histoire. Et des sceptiques quand sont venus. Puisqu'on l'appelle, on la menace. On l'appelle, on la menace. Tu vois, j'ai l'impression que tu rencontres, tu te demandes que pourquoi la femme ce n'est pas encore riche. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Waiting to happen. C'est le talent que tu veux voir. C'est la beauté que tu veux voir. C'est l'intelligence que tu veux voir. C'est la bonté que tu veux voir. La gentillesse. La disponibilité. Simple. Qui ne dérange personne. Et on l'a bloqué. Vive loin. Tu n'es pas amoureuse de ton ex. Il y a un lien d'âme entre vous deux. Il faut couper ça. Tu es amoureuse de quelqu'un qui a tourné la page. Tu as été envoûtée, ma chérie. Il faut couper ça. Vous n'aimez pas travailler sur vous, n'est-ce pas? Si c'était de mal l'argent que envoie et travaille, ah, il n'y a pas l'argent.
Tu n'es pas, on t'a envoûté. Tu es pas amoureux de ton ex, il a tourné la page. Tu as été envoûté. Toi. Voilà. Allez, continue ma chose. Ne venez pas vous, ne me racontez plus vos histoires. C'est une femme qui n'avait jamais. Donc, pourquoi elle voit 1000 euros dans sa main en une fois? Elle payait que les dîmes de 5 euros, 10 euros, 15, 20 euros, 40 euros maximum. Quand c'est 40 euros, ça veut dire que c'est 400 euros qu'elle a eu comme argent, non? N'est-ce pas? Elle me dit, maman, l'autre jour, le 2 juillet, j'ai payé ma dîme. J'ai payé mon lavage. Le 5 juillet, j'ai eu 450 euros. Non, j'ai eu 1000 euros. Des 1000 euros, je paye ma dîme. 3-4 semaines plus tard, je reçois 10 000 euros. 10 000 euros. J'ai commencé à travailler cette femme-ci vers novembre. Mars, elle a les papiers après 3 ans de sans pépa. Tu vois, quand on te bloque, tu passes ton temps chez les gens, sur le canapé des gens, avec combien d'enfants? Quand les gens l'ont appelé pour l'intimider hier, j'ai dit que voilà, t'as pas de bataille. Tu seras toujours testé quand tu passes à une autre dimension. Tu vas commencer à avoir les 10 000 euros, non? Bientôt, ce sera 10 000 euros mensuels. Ce n'est que le début. Tu penses que quand dès que tu passes à un autre niveau, ton niveau que tu es censé, regarde, tu sais que non, moi, je suis censé avoir les 20, 25, 40 000 euros le mois. Je sais que pour certains d'entre vous, cela, c'est le rêve. Mais je vous prie, je vous prophétise ça. D'ici la fin d'année, tu seras dans tes 20 000 euros le mois. Pas 2 000 euros. Hein. Et c'est que pour l'instant, 2 000 euros pour toi. Ah, 2 000 euros. 20 000 euros le mois. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà semé. Maintenant, quand la graine veut germer jusqu'à faire que... C'est là que tu vois les plus grands problèmes. Gabriel, je vais te bloquer. Tu as compris? Ça, c'est le club des femmes qui ne demandent pas l'argent à l'homme. L'homme ne me donne rien. Je ne dis pas dans les relations, je souffre. Je vais te bloquer. Karine Flo, tu es dans quel pays? Comme tu veux mes produits. Tu es habitué à tout supplier, mendier. Mendier. Tu calcules derrière comment tu vas partir pour faire même une nuit à l'hôtel, laver le père de tes enfants pour qu'ils te donnent l'argent. L'argent de la rentrée de ses enfants. Hein. Je prophétise que tu ne vas plus rentrer dans ces périodes de ta vie. Tu n'es plus une prostituée. Tu n'es plus une prostituée. Aussi les rentrées, non. Je sais que les mères d'enfants, vous avez commencé à souffrir. Leur seule opportunité de vous avoir une fois par an. Je chasse ces idées dans ta tête. Je dis que l'année-ci, tu ne vas pas partir. L'année-ci, you know, go. Tu es enceinte, tu ne travailles pas sur toi. Tu vas lire là. Tout événement de ta vie, tu as besoin de travailler sur toi. Vous êtes ce que manque bête là-haut. Mais faut le voir, c'est l'enseignement pour vous. Il me contacte un jour, je vais me marier. Je vous contacterai après mon mariage. J'ai dit, tu es bête. Je vais accoucher. Je vais d'abord accoucher. Tu es bête. Bête. Comme tu crois qu'on voit ta grossesse, on va te laisser accoucher comme ça. Va accoucher alors. Hop. Vous êtes abonné à la bêtise, on va faire comment? Payer l'abonnement annuel. Renouveler une fois par an. Il dit que l'année, si le père de tes enfants va Wanda que mince. Il sait que généralement, c'est vers fin août. Tu commences à boire, faire les bonjours. Vers le 15. Comment tu vas? Le 20. Oui, c'est pour te rappeler la rentrée des enfants. Le 25. Le 31, il t'écrit. Oui, passe à mon bureau.
Or, il sait. Et si Joséphine, le canal avec lequel tu parlais, je ne sais pas avec qui tu parlais. Tous mes numéros sont sur les pages. Repars là-bas, tu écris. Pour t'assurer que tu es enregistré pour le lavage. Je n'ai pas encore fait le lavage. Le dernier lavage que j'ai fait le premier. Donc depuis un mois que vous avez payé, je n'ai pas lavé quelqu'un. Michou, tête te bloque. Pourquoi on entend des voix? Parce que tu as mis TikTok. C'est ma voix que tu entends. Tu es en Allemagne. On poste par DHL en Allemagne. Il y a les produits à Paris, à Bruxelles. On te poste ça. 27 euros, tu reçois. Le tout s'y va Wanda Kemes. Elle ne m'écrit pas. Le premier. Mamie, le 2, il va t'écrire. Le 2, il va t'écrire. Comment vont mes enfants? Ma chérie, c'est dur, non? Lis, ignore son message. Commencez à traiter les pères de vos enfants, là. Ton objectif, c'est que l'année prochaine, la rentrée 2024-2025, l'enfant là va partir dans l'école de tes rêves. L'école que depuis 2-3 ans, tu voulais payer à l'enfant là. Prépare-toi. Et tu vas payer ça comme ça. Comme ça. Tu sors 4 millions pour payer l'école d'enfant. Tu ne... Les choses qu'on te... On te tourne. Viens à tel endroit, tu arrives à son bureau, on dit qu'il est sorti. Pourtant, tu l'as appelé pour dire qu'il venait, que tu venais. Non, je suis parti, j'avais une urgence. Comme tes enfants, ce n'est pas une urgence aussi. Alors qu'il y a Orange Money, hein, il ne peut pas dépasser son Orange Money, pourquoi? Si quelqu'un parmi vous veut mes produits, hein, si vous voulez, vous aurez. La fait que je vous force que vous achetez là, n'achetez pas. Vous avez suivi. Vous voulez souffrir, non? Souffrez. Souvent, vous faites, il y a une femme qui m'appelle aujourd'hui. Je dis, ce qu'elle doit prendre comme traitement. Hein? Non, il veut d'abord être sûr que, tu sais quoi, madame, laisse. Va encore souffrir même 6 mois. Va souffrir 6 mois encore. On te manque de respect bien là, voilà. Va souffrir. Il fait le produit, il fait les vidéos. Je marche encore derrière toi pour que tu achètes. C'est pour ça que si vous voyez quelqu'un qui vous court derrière après avec mon image, ce n'est pas moi. Il y a des gens qui ont les faux profils, ils vous écrivent. Ce n'est pas moi. Il vend à combien, hein? Écris en inbox. Tu peux écrire, tu laisses Ingrid. Tu as compris? Voilà. Ce genre de mec, je ne peux pas le remettre. Je le pose sur la table. Je dis, allez boire le remède. Pas la fait qu'on on s'assoit, on te dit, bois. Ne bois pas. Tu as compris? Demain, ton ventre va faire mal, non? C'est pour qui? Le volume est bon, non? Voilà. Souvent, tu as couru, tu as trouvé l'endroit de la maison d'un décepticon pour aller préparer pour lui. Tu peux pas tout. Tu peux pas le couscous au gombo avec la poêle. Il avait seulement la poêle dans son appartement. Tu as fait le couscous au gombo avec la poêle. Une poêle, pas deux. Tu ne sais pas comment tu as fait. Tu as fait l'impossible parce que tu voulais rappeler ton mougou. Je voulais parier ce soir. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là. J'ai fait des trucs impossibles chez les gars. Et t'es dit. J'ai fait des trucs impossibles chez les gars. Tu prépares ton rosa là, tu regardes que mince. Le quartier où il vit. Hein? Il n'y a même pas une boutique. Il n'y a que le sel.
Tu prépares le riz sauce tomate avec le sel et l'oignon. Et ça donne. Parce que c'est tout ce qu'il a dans son frigo. Parce que après, tu veux qu'il dise que wow, bébé, tu es une bonne femme. Hein? Après, ton mon goût. Il était écrit, hein? Je sais. L'oncle Vin, il dit que couscous gombo. Dans la poêle, dans une poêle, pas deux. Donc tu as préparé la sauce gombo, tu as enlevé, tu as mis dans l'assiette. Tu as tourné le son du couscous. Tu as lavé le couscous, le son du couscous, le couscous là, dans la poêle. Tu as retiré, tu as mis ailleurs. Tu as chauffé l'eau dans la poêle. Tu as tout fait. Ah, Seigneur. Quand il voit qu'on doit marcher derrière vous, pourquoi vous achetez les produits? Pourquoi? C'est moi qui marche derrière toi. Pardon, laissez-moi. Je nous donne le numéro de personne en France, en Belgique. Tu écris, tu payes au Cameroun. Quand souvent tu rencontres ton bé là-bas à Bruxelles, il te dit que j'ai ma mère au Cameroun, à Bouda. Tu fais comment pour envoyer l'argent à Bouda? Trouve là le moyen d'envoyer l'argent au Cameroun, à Douala. Ça touche ma main à Douala, je demande qu'on te poste ça là-bas. Tu as suivi, non? Vous aimez souvent montrer que vous êtes trop impossible, que je suis impossible à trouver. Je vais te parler. Je vais te parler. Quittez avec ça. Vous aimez qu'on se moque de vous. Vous aimez qu'on vous manque de respect. Vous aimez ça. Ça vous plaît. Tu as encore décidé que tes problèmes vont partir. Tu les aimes, tes problèmes. Tu les aimes. Tu les caresses un peu comme ça là. Oh, problème. Problème, I like you. Oui. N'arrive pas à envoyer l'argent au pays. Tu trouves la maison du gars. Tu peux avoir le couscous combo avec la poêle. Parce que tu avais l'objectif, non? La mougou. N'est-ce pas? Même s'il le faut, tu vas partir sur YouTube chercher. Va chercher comment TikTok fonctionne. Pour savoir comment on fait pour trouver la page ici que ça marche. Je ne donne le contact d'aucun pays. Les produits sont sur place. Tu payes au Cameroun. De là-bas, ils te postent les produits. Point barre. Si tu ne peux pas faire, tu laisses. Tu ne peux pas, tu laisses. Tu sors avec. Si on te dit que tu sors avec un Nigérian, tu vas chercher comment faire pour envoyer les Naira à Lagos. Ou à Delta State, n'est-ce pas? Ou à Onumbra, n'est-ce pas? Voilà. Si le volume est bon, c'est bon, non? Super. Cabral, tu es dans quel pays? On poste dans toutes les villes du Cameroun. On poste partout dans le monde. Les numéros sont sur la page. Prends le numéro. Tu écris sur le papier. Tu enregistres dans ton téléphone. Tu viens d'enregistrer dans le téléphone, tu écris, tu dis bonjour, je veux commander tel kit. Voilà. Ok? Voilà, tu ne peux pas faire ça. C'est quand les produits vont arriver, tu vas déposer sur ta table là-bas. Une me contacte l'autre jour. Bonjour madame, j'ai reçu vos produits. Est-ce que vous pouvez me rembourser? Je dis, il y a un problème avec des produits. Il y a un problème, c'est comment? Non, je ne veux plus faire. Il dit, ma chérie, tu crois que tu es où? Tu penses que tu es où? Tu crois que c'est Zara? Oh, je suis pas contente. Vous pouvez me rembourser, s'il vous plaît? Super. Continuons alors maintenant. Certains d'entre vous, vous m'approchez. Je suis très dur avec vous pour tester si vous voulez réellement ce que vous dites que vous voulez. La vie ne se pointe pas pour vous comme ça. Tu dois chercher. Je ne peux pas faire un truc, ça coûte 300 000. C'est trop cher. Non, c'est cher. Vraiment. Vraiment. Sonia, je ne l'ai pas remboursé, Sonia. Tu as compris? L'autre là, moi, il dit moi, Hora, je ne l'ai pas moi remboursé. Je me suis dit, elle va déposer ça dans sa douche. Le jour où elle ne veut pas porter, jette.
produit spirituel. Tu attends, ça arrive chez toi. Je ne sais pas quelle énergie il y a chez toi. Après, pour t'envoyer une autre personne. Si toi-même, je te dis que j'ai ton produit que chez toi là, j'ai déjà envoyé ça à quelqu'un là-bas en France. Après, il a encore pris à la poster. C'est arrivé à la maison. Après, il a encore pris à envoyer chez toi. Tu vas prendre. Hein? Mais vous pensez que je suis folle, hein? Quand vous venez souvent avec vos tests bizarres là pour me tester, je ne suis pas testable. Ce qui me montre les climats, c'est... Mesdames, vous devez sentir dans votre corps quand ça ne va pas. Mais depuis 2 jours, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. J'ai dit que je vais me lever pour prier. Je me lève pour aller pisser. Je vais faire le bain de pipi. En me rendant compte que j'ai déjà pissé. J'ai dit que je vais me lever, tu vois. Écoutez, les attaques spirituelles, ça fait toujours comme quand on était petit, on faisait mini, 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 oh, mini, mini. 1, 2, 1, 2, 1. Tu dois savoir détecter. Et quand tu es à la veille d'une grosse percée, c'est le temps là qu'on lance alors seulement ça sur toi. On lance seulement tout ça là. Boum! Tu restes comme ça là. Tu es au boulot, tu es dépressif. Mais qu'est-ce qui se passe, Muriel? Je sais pas. Laissez-moi, laissez-moi. Tu conduis, tu insultes, tout le monde. Tu klaxons. Ping, 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 ping. Toi-même, tu es dans ton corps, tu te dis que mais pourquoi je suis fâché aujourd'hui comme ça? Mais pourquoi je m'énerve trop comme ça aujourd'hui? Prends ton donne-moi tout. Tu prends l'huile de blindage, tu mets. Sors de moi là, tu prends. C'est au temps là que tes astuces commencent. Tu sais pourquoi tu as attaqué? Une grosse percée arrive. Quelque chose de grand est en chemin. L'ennemi a besoin que tu, en anglais on dit discredit, que tu te... Tu dois te dépositionner pour ta bénédiction. Ça vient avec quoi? Ah, je pensais même qu'elle pouvait devenir millionnaire un jour. Je pensais qu'elle pouvait avoir la maison de 500 000 euros. 1 million d'euros. Jusqu'à j'ai même cru que je peux rembourser mon crédit là en 2 ans. Jusqu'à j'ai même cru que... Donc voilà ça. Voilà ce qui joue dans ta tête. Tout ce que tu as mis sur tes déclarations le premier là, quand tu payais ta dîme. Tout ce que tu... Oh! Quelqu'un est en train d'être délivré à cet instant que je parle. Tu es en train de comprendre ce qui t'arrive depuis quelques jours. Tu arrives dans un pays comme ça là. Dès que ton pied touche, le Seigneur commence à te parler. Tu vas construire ça, tu vas faire ça, ça va, tu vas. Prenez beaucoup de notes. Je vous demande, je vais devoir créer carrément un bouquin que je vais vous vendre. Pour noter ce que Dieu vous dit. Ça bug vous tapotez, non? Vous devez noter ce que Dieu vous dit. Parce que c'est quand tu doutes, c'est comme si ta mémoire est vide. Tu oublies que tu as demandé, Seigneur, je veux la cardiaque, je veux la Bentley. Seigneur, je veux acheter le terrain de 500 millions. Seigneur, tu oublies tout.
tu oublies. Tout ce qui reste dans ta tête, petite femme comme moi là, divorcée 3 fois, 4 enfants de 5 pères différents. Je n'ai rien, pas de diplôme. Vous là qui m'écoutez depuis des mois, vous avez passé le temps de m'écouter seulement. Je dois travailler sur vous. Parce que vous êtes bloqué dans un stade de combat. Ce n'est plus votre niveau. Continuez de rester là-bas. Un jour, vous allez vous désabonner seul de ma page. Seul. Une amie a laissé ma montre, ça monte chez moi. Ça a une signification. Tu vois que tu es bloqué. Depuis 3, 6, 1 an, 3 mois, vous avez engagé des principes spirituels violents. Ce que j'enseigne est trop simple. Yeah. On n'a pas dit à Vivine qu'on ne me dit pas de me calmer. Quand elle veut me fâcher, elle me fâche. C'est ma page. On ne me dit pas de me calmer. Tu as compris? Et ne venez plus me dire que tu m'as bloqué. Parce que vous faites vous bloquez. Après, vous venez m'écrire inbox. Tu m'as bloqué. Je bloque. Vous avez engagé les principes que... Si vous saviez que votre frère sorcier qui vous bloque depuis que vous avez même 15 ans là, qu'il est en train de chercher n'importe, il cherche les moyens pour vous atteindre, il n'arrive pas. Son dernier recours, c'est de lancer la dépression sur toi. C'est tout, hein. Et même sa dépression est temporaire. Ils ne peuvent plus rien vous faire. Écoutez, hein, ça fait 6 mois que j'ai dit ça, tu m'as écouté, non? 1 an. Qui t'a touché depuis? Hein? Quand est-ce que tu vas me croire, alors? Tu simplifies le petit sel, là. Mais pas seulement le sel. Quelqu'un a vu comment j'ai montré ma routine ici, là, sur la vidéo. Il dit, ah, tu montres aux gens. Tu montres tout. Parce que c'est simple que vous n'allez pas faire. Parce qu'on met la foi, la puissance de la foi dessus. Et moi, j'étais envoyé pour libérer le maximum de personnes. Le maximum. Le premier jour qu'on m'a montré le sel. Oh! C'était comme la sorcellerie. Je prends, je me lave avec. 2 jours plus tard, 700 000 entrent en mosquée. Et c'est pour ça d'argent qui entre, ça part pour faire quelque chose. Non. La semaine là, c'était en septembre 2021. J'ai dit qu'il ne veut plus laisser l'argent dans mon compte Orange Money. Je déposais ça au pied. J'avais fait un hôtel au pied de mon lit. Donc au coin droit, au coin gauche de ma chambre. J'alignais les 500 000 là-bas chaque jour. Je me lave le matin, l'argent vient. Je me lave le soir, je me réveille le matin, l'argent est venu dans la nuit. J'ai dit, yeah. Je dois dire aux gens. Avant qu'ils commencent à parler de sel en ligne, je n'avais pas encore vu quelqu'un qui parlait de sel. Je ne sais pas si c'est parce que ma vibration n'attirait pas, je ne connais pas moi. Mais tout ce que moi essaie, c'est que je n'avais jamais entendu parler de lavage au sel. Je sais que vous connaissiez. Ok, vous connaissez, non? Vous n'avez pas dit en ligne pourquoi? Pourquoi vous ne m'avez pas aussi dit?
Ouais, grosse tête. Je connais, j'ai fait ça depuis 5 ans. Mais oui. Eh, hey, mec. Non, c'est vrai que quand même, j'ai quand même les grimaces. L'autre aussi, c'est pas là où c'est sorti. Mais je connais, je connaissais. Je connaissais depuis. Tu as dit à qui? Vos grosses têtes de méchants, c'était là. Oui. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que non. Je dois dire aux gens. I must tell people. I must tell people. Pour moi, tout ce qui est tout qui est bien qui peut aider les gens. S'ils me lavent au sel, l'argent qui m'était destiné dans la journée, là vient à moi. L'argent qui m'était destiné dans la nuit, parce que même la nuit est censée avoir l'argent. Je sais que vous ne croyez pas. Toi, tu es en France, je te montre, tu fais aussi. Comment est-ce que ton argent va bloquer mon argent? Ou comment est-ce que mon argent va bloquer ton argent? Comme les Noirs sont toujours jaloux, égoïstes. Ariel, tu dis que tes enfants rient de mes grimaces. Nana love, toujours en train de te plaindre. Si tu as la fièvre, arrête de ne te lave plus la vaisselle. Il y a la fièvre, il y a la fièvre. Tu nous dis pour qu'on fasse quoi? Toujours en train de vous plaindre. Eh, on n'est même pas fatigué. Hein? Au rapport. Tous les jours. Il n'y a jamais aucune gratitude qui sort de ta bouche. Mmh. Tu viens même pour témoigner. Praise the Lord! Je viens d'avoir 10 000 euros. Mais vraiment, tu sais, avant d'arriver, c'est là qu'on y est, mon pied, je suis tombé comme ça. Là, tu parles de 10 000 euros en une seconde. Tu parles de ta douleur. Oui, mon doigt fait comme ça. Après, ça fait crac. J'ai senti comment mon... comment mon os s'est cassé. Après, je me suis couché pendant 2 heures de temps. J'attendais que ma fille vienne. Je n'arrivais pas à prendre le téléphone. Les gens pessimistes, mon frère. Quand ils racontent quelque chose, hein. Arrête, Nusil, comment tu vas? Hein? Les gens pessimistes. Oui, j'ai eu 10 000 euros. Attends-moi, toi, même sur les 10 000 euros, non. Dis même que oui. Je me suis lavé au sel le matin. J'avais besoin de 10 000 euros pour payer mes dettes. Et puis, oui, soudainement, c'est... Elle va que partir sur la partie où elle est tombée là. C'est ça qu'elle a dit. C'est ça. Voilà. Depuis mes lavages, je sais, je me sens dans la joie, épanouie. Je sais seulement, et malgré ça, je continue à faire. Ne fais pas. De là, le pieu seul. Mon pote. Comme tu crois que le monde va s'arrêter de tourner là. On va toujours continuer à avoir notre argent. Parce que nous, on va se laver avec le sel. Tu as compris, non? On est que dedans. On est là. Street boy, tu ne regardes pas mes vidéos. Ne me dérange pas. Je vais te bloquer. Tu lui dis oui, pourquoi? Va regarder mes vidéos. Tu tombes sur une de mes vidéos. Tu ne peux pas regarder une autre vidéo. Hein? Pourquoi tu viens embêter les gens? On fait ça comme ça. On fait ça comme ça. Quand il tombe sur la page de quelqu'un qui m'aime, que j'aime ce qu'il fait. Je vais regarder au moins 40 vidéos de la personne. Je vais passer une heure sur ta page. Je m'assois, je décortique tes vidéos. Et Seigneur, je vais compter à chaque fois qu'elle fait les grimaces. J'ai perdu mon bébé. Je sais que tu ne me suis pas depuis longtemps. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Ok, j'ai perdu mon bébé. Ça me met très... Quand vous me suivez pas, vous réapparaissez comme ça là. Ne me demandez pas les choses, s'il vous plaît. La période où j'ai dit ça aux gens, c'est hier passé. Ça fait 4 mois. Le 5, ça fera 5 mois que mon bébé est mort. Ok, voilà. Donc, vous allez remarquer que vous aurez une baisse de... Donc, tu auras une tendance à vouloir être négatif. Tu voudras être négatif. Tellement donc. Tu es fâché le jour là. Tu carçonnes sur les gens. Tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi? Où est ma nourriture, madame?
Oui, il faut me donner, j'ai faim. Merci. Elle m'apporte ma salade et mange. La vie est belle, non? L'ennemi connaît quand ta percée est là. L'ennemi connaît quand ta percée est là. Quand je traverse un moment où je suis très donc, je sens ça dans mon corps. Parfois, je ne vais pas me coucher. C'est pour ça que il y a des périodes où je ne consulte pas. Je fais même 2 jours, je ne consulte pas. Je fais un peu les directs. Oui. Je dors. Quand elle dort comme ça, mes guides partent bagarrer. Vous me suivez? Non, 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 ne me dis pas courage. J'ai pas besoin de votre courage. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Life. This life. Il y a des moments où tu vas être tenté de partir plutôt. Dans un endroit où tu seras seul. Parce que le changement d'énergie ou le changement... Au début, quand tu fais tes lavages, tu as les phases. Merci Ursule. Merci. Je vous en prie, ne me souhaitez plus vos condoléances, s'il vous plaît. C'est déjà passé. Ok? La période là, vous n'avez même pas su. Hein. Je faisais mes directs tous les jours. J'ai fait seulement 2 jours sans faire le direct. Parce qu'on m'avait opéré. Dès que le docteur m'a dit qu'assois-toi, je me suis assise. J'étais encore à l'hôpital. Même le jour où on est parti l'enterrer, je ne suis pas parti voir l'endroit. J'ai fait le direct. Vous avez suivi. Voilà, donc faut me laisser comme ça là. Moi, j'ai ma façon de digérer mes choses. Donc, ce que l'ennemi va faire, c'est que l'ennemi aura toujours une épine qu'il va utiliser contre toi. Tu es une mauvaise mère. Voilà, si tu avais fait comme ça là, ceci devrait passer comme ça. Regarde tes enfants vraiment. Et il va remonter avec tes traumatismes d'enfance. Ta beauté. Thank you, Bella. Quand tu commences ton lavage au sel, tu fais les déclarations. Tu crées une future version de toi. Plus heureuse, plus riche, plus belle, mariée, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre vortex. Et quand tu crées ça, ton problème c'est que tu es encore ici. Et ici, il y a qui? La connexion sur Facebook dérange. Ceux qui se sentent mal pour moi, là. Don't feel bad for me. J'ai des personnes souvent que j'ai cru qu'ils se sentaient mal, mais quand j'ai vu leur style de vie, ça m'a même énervé. J'ai dit que yeah, donnez-moi les malheurs des gens là et vous me donnez leur style de vie. Donc ne vous sentez pas mal pour moi, s'il vous plaît. Tenez, ouvrez ma chambre, vous entrez, me donnez pardon. Moi, je n'ai pas mal me lever. Merci. Don't worry about me. I'ma be alright.
C'est bon? Ça s'ouvre pas? Ça va, c'est peut-être parce que j'ai fermé de l'intérieur, ça va. Je savais pas que vous avez mis un système sur ces chambres. C'est chiant quand même. Pourquoi ils veulent que je me lève? Voilà, donnez alors. Oui, donnez, donnez. Hier, je vous ai dit quoi par rapport à ça? Vous ne voulez pas ça? Ça? Mais je vous ai dit, c'était pas vous. Non. Je vous ai dit de changer, jeter ça, moi je vais jeter ça à la poubelle. Ah, d'accord, excusez. Moi, je vais jeter. Je vous assure. S'il vous plaît. Oui. Je vais reprendre bien. Vous avez... Je ne donne pas, je vais jeter. S'il vous plaît. Je vous ai dit que je vais jeter. Excusez-moi. Hier, j'ai dit à votre collègue, je ne veux pas qu'on me serve dans ça. D'accord. C'est ça qu'elle m'a battu la solution. Allez jeter. Dites à votre patron que j'ai dit que vous jetez. Oui, là mon patron dit Akapung. Ça veut dire que ce n'est plus bien. Mm-hmm. Merci. Vous ne voulez pas que je la referme? Oh oui, refermez juste. Je vais encore sortir tout à l'heure. C'est bon, vous n'avez plus besoin de quelque chose? Non. Je vous ai demandé le thé tout à l'heure. Ça va, ne donnez pas. Je vais prendre du thé après. Merci. Bon, ça bug un peu. J'avais changé de connexion pour voir. Attendez. Dites-moi si c'est plus stable. Parce que j'ai changé de réseau. Si c'est plus stable, vous me dites. God's got me to the end. Voyez, ma salade. Bénis ce repas au nom de Jésus. Que ce repas descende bien à mon corps. C'est une salade. Vous connaissez un peu? Non. Salade, salade. Je reviens sur le processus. Supportez que je mange en parlant. Bon. Quand tu fais tes déclarations, tu es en train de créer une nouvelle version de toi. Et pour l'instant, je m'appelle Reine Macaron. Bonsoir. Oh. Je suis un peu occupée. Allô? Oui, oui. Salut. Ah, l'émission était bien. Aïe. Super. C'est super. D'accord. Oui. Oui.
La connexion coupe beaucoup, hein. Allô? Allô? On peut parler demain matin. Demain matin. Demain matin, ça te dérange pas. Ok? Oui. Tu reprends les sous chez le monsieur, il va te donner les 2 millions là demain. D'accord. Donc quand c'est affaire à Jean, vous ne devez même pas attendre. Ceux qui sont passés, ceux qui n'étaient pas mes gens. Moi, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Ah tiens, TikTok. TikTok, vous êtes encore là. Ou bien il faut que j'arrête TikTok, moi.